Moi, j'ai découvert l'Almeria, je suis été citoyenne d'honneur. Et l'Almeria, on a fait un film en Italie, un film documentaire d'une heure, l'Almeria après et avant Léone. Je fais à présent intervenir ma voix suave pour apporter quelques précisions sur ce qui vient d'être montré. Tout d'abord, le petit village de Far West qu'on voit pendant la grande majorité de la vidéo s'appelle Fort Bravo. Il est situé en plein milieu du désert de Tabernas, en Espagne. Et il a été construit au départ pour accueillir les tournages des premiers Western Spaghetti, mais il sert encore de lieu de tournage pour des productions diverses et variées. Ça peut aller de Les Frères Sisters, le dernier film de Jacques Audiard, jusqu'à un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ce qui concerne la province d'Almería et puis le désert de Tabernas, ça a servi de décor pour de nombreux autres films, au-delà des westerns spaghetti. On a notamment plusieurs décors qui viennent d'Indiana Jones et la dernière croisade, on a Lawrence d'Arabie, on a Conan le Barbare qui sont tournés là-bas. Et voilà, il y a vraiment un circuit touristique à monter autour de tous ces différents lieux de cinéma. Et pour ce qui est du western spaghetti, si je pouvais vous donner des conseils pour commencer à vous approprier ce genre cinématographique qui est foutrement intéressant, qui fait partie de mes préférés personnellement. Donc pour rappel, le western spaghetti, ça désigne tous les westerns italiens qui sont faits fin années 60, début années 70, qui sont des westerns qui sont marqués par leur violence, par le fait qu'on suive l'intrigue de personnages qui soient plutôt des anti-héros, et puis par des idées formelles assez audacieuses quoi, pour l'époque. Pour commencer à vous approprier ce genre, si je pouvais vous donner des conseils, bon évidemment il y a Le Bon, la Brute et le Truand et Il était une fois dans l'Ouest qui sont les deux plus fiers représentants du genre, enfin selon moi en tout cas. Mais il y a aussi d'autres films qui vous permettent d'avoir un bon panorama. Si je devais vous en donner trois, moi je dirais Pour une poignée de dollars, qui est le tout premier. Colorado de Sergio Solima et Le mercenaire de Sergio Corbucci. Voilà. Avec tous ces films, vous commencez déjà à avoir un bon panorama. Et puis si ça vous plaît, il n'en manque pas, hein, parce que les Italiens ont été extrêmement productifs sur ces années-là. Et on a une vague de western, vraiment... On est sans arrêt en train d'en redécouvrir. Et voilà, en souhaitant du coup que cette vidéo vous ait donné envie de voir ces films. Et puis pour terminer, quelques petites formalités. Abonnez-vous si le cœur vous en dit, lâchez un like. Mais le plus important pour moi, c'est laissez un commentaire ou envoyez-moi un message privé, parce que c'est de là que je retire toute ma motivation. Et puis c'est grâce à ça que je peux progresser s'il y a des remarques à faire. Donc voilà, je peux que vous inciter à venir me parler, et ça fait un peu mec tout seul, mais non, à venir me parler de la vidéo précisément. Et puis voilà, longue vie et prospérité, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.